Nicolas Cambert est toujours heureux de revenir à Sao Paulo, lieu de son premier exploit en F1 quand il avait signé, à la surprise générale, la pole position du Grand Prix du Brésil à Interlagos en 2010 au volant d'une modeste Williams. J'ai signé ma seule pole position à ce jour en F1, et c'est arrivé lors de ma première saison, se souvient-il. C'était génial. J'avais réalisé le tour parfait au bon moment, dans des conditions changeantes pour m'en emparer, avec plus d'une seconde d'avance. Cela reste un moment exceptionnel dans ma carrière. En 2012, j'avais longtemps mené, mais j'ai joué de malchance, et j'ai manqué le podium, regrette Hulk. Mon historique est donc plutôt positif à Interlagos, je vais attaquer pour que cela continue. Le tracé est court, il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est très bosselé, et le coup souffre. Tout est une question de confiance, surtout dans le secteur intermédiaire.